c'est Lozolek, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur Hypixel, comme vous avez pu le voir au lobby. Mais nous n'allons pas faire de Skywars, même si je suis dans le lobby de Skywars pour faire l'intro parce que je l'aime bien ce petit lobby. On va faire un petit peu de Bedwars. Voilà, c'est un des nouveaux jeux de Hypixel qui est, ma foi, très très sympathique. On est accompagné d'un petit bruit de grenouille en arrière-plan, c'est plutôt sympathique. Hein. De toute façon, je ne peux pas trop l'enlever ce bruit-là. Puisque tout simplement ça vient de la vraie vie, hein. Vous vous en doutez bien que c'est pas des grenouilles qui sont rajoutées au montage ou je ne sais quoi. Donc du coup on va parler un petit peu. Moi je suis en vacances cette fois-ci, donc pas de semaine nulle ou je sais pas quoi. Puisque je suis en vacances du coup, même si ça pourrait m'arriver, hein, une semaine nulle en vacances, mais bon pour l'instant c'est pas trop mon cas. Donc écoute, on va juste un petit peu parler tranquillement. Puis du coup je propose qu'on commence par faire quelques parties. Voilà, à tout de suite. Et les gens, on se retrouve donc dans la première partie. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué au Bedwars, donc j'y connais pas grand chose. En tout cas, les maps ont l'air sympathiques, elles y étaient pas avant. Du moins, la dernière fois que j'ai joué, elles étaient pas là, ces maps. Donc, pour vous expliquer, qu'est-ce qu'on a? Alors, on commence avec un spawner à faire et tout ça. Et puis, on a donc un PNJ qui va nous augmenter, donc par exemple, de l'armure qu'on va pouvoir mettre protection, donc notre armure de base qui sera. Protection, on peut aussi améliorer cette armure pour avoir de l'armure genre en diamant et tout ça. Donc il y a pas mal de trucs à jouer là-dessus. Alors où est-ce que ça mène tout ça? Ça mène nulle part. C'est pas très très intéressant. Bref, du coup, on va pouvoir s'acheter des trucs avec tout ça. Comme vous pouvez le voir, ça coûte assez cher. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? On va commencer par faire quelque chose de traditionnel. On va prendre des blocs et donc il faut. Comment dire, protéger son lit, c'est un peu le but du jeu. Mais par contre, il se casse pas à la TNT, il se casse donc à la main, c'est pas comme un rush non plus. C'est quand même un mini-jeu assez spécifique. Donc, du coup, on a pas de. Enfin, on a de la TNT, mais elle sert pas principalement à détruire les lits, hein. Ça se casse à la pioche. Donc, pas vraiment besoin de faire de la TNT ou je ne sais quoi. C'est ça qui est sympa d'ailleurs, je trouve ça un petit peu original, innovant, donc pourquoi pas. Du coup, on va tout simplement se rendre vers là-bas. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je pense qu'il y a moyen de faire une bonne partie. Hein. Normalement, on s'en tire plutôt sympathiquement et plutôt facilement. Hein. C'est un jeu qui est quand même pas complexe, à mon avis. Et puis, on peut être tranquille. Donc là, il y a un spawner à diamant. Le diamant, c'est tout simplement avec ça qu'on va pouvoir faire les améliorations, comme je vous avais montré, comme par exemple. Une armure enchantée et tout ça. Ça se fait avec ça. Contrairement aux achats d'items et tout ça qui se font avec les ressources qu'on a là-bas. Ça se fait avec du diamant. Donc comme ça on en a déjà un. Est-ce qu'on peut se prendre des trucs? Ça m'étonnerait. Si on peut se prendre It's a Trap, mais bon, c'est pas très très intéressant. On va plus économiser un peu et se prendre des trucs plus intéressants. Du coup, on a notre fameux spawner à diamant ici, qui devrait bientôt spawner du diamant. On va peut-être aller sur les îles d'à côté aussi, je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs. Et du coup, on va commencer un petit peu ici à parler d'autre chose que de la game, puisqu'on n'est pas là que pour parler de ça, hein, vous le savez maintenant. On se retrouve chaque jeudi pour faire des petites games comme ça, tranquille. Du coup, ouais, on verra un petit peu de quoi on peut exactement parler, mais je pense qu'il y a moyen de se trouver de bons sujets. Donc, par exemple, un petit peu déjà ma nouvelle intro, comme vous avez pu le voir, franchement. Elle est juste dingue, donc franchement un gros gros merci à Braz. Elle est juste énorme cette intro qu'il m'a faite. Franchement, je saurais jamais assez le remercier pour ça, parce que c'est juste quelque chose de dingue. Alors c'est triste, on est mort, mais l'autre était quand même plutôt bien armé, j'ai envie de dire comparé à ce qu'on avait. Du coup, il a récupéré notre diamant, ça c'est pas très bien. Oh, ok, ça veut nous attaquer, je crois. Merci, il a cassé nos clés. Est-ce qu'on se tente ça? Allez! Oh oui, c'était beau ça. C'était beau. Honnêtement, c'était quand même vachement beau. C'était quand même plutôt très 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 beau ce qu'on s'est fait là. Jacker Average, oui, bien sûr, je suis un gros cheater. Tu t'es fait perfect, l'ami. Très clairement, c'était un très 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 beau perfect. Ah, I am recording. Ben, moi aussi, écoute. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. T'inquiète pas. Bon, du coup, il va se re-ramener, ça c'est pas cool. Je sais pas trop comment on va faire pour se défendre de ça. Parce que forcément, c'est lui là qui arrive. Ok, go se le faire. Allez,
Oui, ça passe. Ok, je vais vraiment avoir besoin de nourriture. Genre, ouais, Golden Apple, le minimum. Il sait que dire ça. On va se prendre, genre, ça là. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir dans ce combat. C'était quelque chose d'assez tendu. Mais bon, on a réussi, visiblement. Hop, on va tester. Non, pas lancer. Oh non, c'était un lancer raté ça. C'était plus que raté comme lancer ça. pire lancer que ça, franchement, je crois pas que j'ai pu voir. C'était très très nul. On a perdu une fireball, c'est-à-dire 40 fer pour ça. Je regrette. Je regrette, autant vous le dire. Est-ce qu'on a moyen de se prendre des trucs? Oh oui, sharpness, oui, je prends. Ça, sharpness direct. Combien pour l'épée? Ok. Bon, on va essayer de se mettre un petit peu quand même mieux stuff. On va se faire une armure en fer, vous savez quoi? J'ai vraiment besoin de pas mourir, parce que bah, tout simplement, sinon on est totalement cuit. Si je meurs, c'est foutu, donc va falloir réussir à la gagner, là, cette game. Autant vous le dire que si on gagne déjà niveau badassitude, j'ai envie de vous dire, on sera plutôt pas mal. Là, on sera plutôt tranquille niveau de la badassitude. Je sais pas si ça se dit, mais franchement, ce sera pas mal. En tout cas, là, on est en train de faire une game déjà pas mal. On s'est enchaîné quand même de beaux petits combos sur les gens, donc c'est sympa. Du coup, pour en revenir un peu à notre blabla, puisqu'on a été dérangé par l'autre là qui s'est ramené, tout simplement, qu'est-ce que je disais? Je disais donc à propos de l'intro, ouais, je tenais vraiment à le remercier parce qu'elle est juste dingue. Vraiment, c'était ce que je cherchais, c'est pile la bonne durée. Elle est ni trop longue ni trop courte, donc franchement, c'est nickel, voilà. Je regrette pas une seconde d'avoir acheté une intro à lui, franchement, n'hésitez pas non plus si vous avez les moyens, c'est vachement bien. Voilà. Ensuite, du coup, bah, moi je suis en vacances, alors pensez, une petite pensée, mais une grosse pensée à ceux qui sont pas encore en vacances. J'imagine que ça doit être assez complexe pour vous à supporter de ne pas être en vacances encore. Ne vous inquiétez pas, ça viendra un jour, vous y serez aussi. Donc, lâchez rien, ça va venir. Toi. Ah oui, toi t'es mon préféré, toi. Hop. Oh non. Ça n'a pas marché. On va aller essayer de se guette le protection. S'il nous. Ouais, bah non, de toute façon, il peut pas nous meuf. Je suis trop habitué au Skywars. Non, tu vas pas encore venir, toi. Je t'aime pas. Non, non, tu. Oh, c'est bon, s'il a un arc. Allez, hop, on va se protéger et on attend qu'il se ramène. Ouais, non, mais t'inquiète pas, j'ai tout mon temps. Allez! Qu'est-ce que t'as peur? Hop! Il a un arc. Franchement, ça va être difficile. Hop là. Oui, tu peux rien faire. En effet, c'est embêtant pour toi. Comment on va faire? Oh oui! J'ai rejeté la fireball d'une manne. Quoi? Quoi? Mais comment il m'a eu? Mais il était derrière. Après, c'est lui qui dit que je cheat. Désolé, mec, mais je crois que t'as un petit peu mal vu. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va dire que c'était une game correcte. Plutôt correcte dans l'ensemble. On a fait de beaux petits enchaînements. C'est dommage, on est mort un petit peu trop tôt. Franchement, c'est dommage. Je m'attendais pas trop à ça. Surtout de la part de lui parce qu'il était quand même relativement nul, mais bon, écoutez, c'est pas grave. On va enchaîner sur une deuxième petite game et puis on se quittera là-dessus, je pense, parce qu'on n'a pas tellement de choses à dire. Mais bon, écoutez, c'est bien sympa. Je vous retrouve juste après. Et les gens, on se retrouve donc dans la seconde game. Alors, ça m'a l'air d'être la même map. Apparemment, ils l'aiment bien, ils la mettent beaucoup en avant. Du coup, cette fois-ci, on va essayer d'un petit peu mieux s'en sortir. Parce que la dernière fois c'était pas ouf ce qu'on a fait, donc on va s'acheter des blocs qui résistent tout simplement à la TNT, comme ça, enfin aux explosions, comme ça l'autre il va pas se ramener avec sa fireball, enfin l'autre, je généralise un petit peu les joueurs, ils vont pas se ramener avec leur fameuse fireball pour nous défoncer notre lit, parce que c'était pas très cool, hein. Donc du coup on va juste attendre, voilà je crois que c'est 20 de souvenirs, si ça a pas changé, 24, ok, hop, encore un, merci. Voilà, donc c'est pas dans l'utilité, je me gourre déjà. Ça commence bien. Hop là, super. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai mal placé mon truc. Hop. On va le miner. On va vraiment faire une protection minimaliste, mais
comment dire, qui protège, quoi, tout simplement. C'est ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de quelque chose de vraiment super efficace et tout. On a juste besoin de quelque chose qui supporte un petit peu les explosions. Et puis comme ça, on est tranquille au niveau de ça. Non, je vais plutôt le mettre là. On va vraiment optimiser la chose. Hop. Voilà, dans les coins. Hop. Me faut encore un bloc. Et on sera bon. Donc je pense que je vais déjà direct m'obtenir peut-être une petite épée en pierre. Et aussi un stuff. Qui me paraît important, donc un stuff genre ouais, au moins en fer quoi, ce serait bien. Avoir diamant peut-être si on a moyen d'en prendre, ce serait nickel. Bah du coup on va y aller, hop, c'est nickel, c'est optimisé. On va y aller par là-bas, ça me paraît être la meilleure des solutions. Voilà, donc du coup c'est plus très loin je pense. Désolé si je sneak des sneaks pas, mais j'aime pas trop cette technique, parce que ça me réussit pas trop. J'ai la flemme d'apprendre, franchement, c'est pas vraiment ce que je qualifie d'être de plus important au monde, vraiment le sneak des sneaks. Donc je le fais comme ça, tranquille, avec un truc normal. Ça me suffit largement. Hop. Voilà. Du coup, ouais, c'est bien. Moi, je suis en vacances. Du coup, comme je l'ai dit, ouais, dommage pour vous si vous n'êtes pas encore en vacances, mais bon, écoutez. Vous vous foutrez sûrement de nous dans très peu de temps, quand ce sera plus à nous d'être en vacances, mais à vous. Oula. Monsieur a une épée, 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 monsieur a une épée. Ok. Bon, autant vous dire qu'on n'est pas très très bien là, parce qu'il peut venir à tout moment sur notre île. Non, ça va. Du coup, c'est con parce qu'on a perdu un petit peu tout ce qu'on avait. C'est pas très bien ça. Bon, on va essayer de vite fait se refaire 2-3 blocs et une épée en pierre, voilà. Bon, ça devrait suffire. Je pense qu'on a moyen quand même de le tuer. Ça m'avait pas l'air d'être monsieur le génie, mais bon, avec les shaders, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc je l'ai pas prévu juste ici, mais comment on va faire? Ça va être complexe, hein, parce que il m'a l'air de... Comment dire? Pas spawn kill, non, mais il m'a l'air de camper là-bas, donc ça va être assez complexe à faire. Il va falloir ruser. Et forcément, il se ramène. Je vais pas l'aimer, lui. On va pas très bien s'entendre, monsieur. Non, on va vraiment pas du tout bien s'entendre, monsieur Toto du 34. Clairement pas. Enfin bref, on verra ce que ça peut donner. J'espère qu'on arrivera quand même à vaincre, parce que là il risque de représenter un sacré obstacle, parce que bah, tout simplement il gêne tout un peu. Alors est-ce qu'il est toujours là-bas? Oui, toujours là-bas. Il campe, hein, il campe. Ok, là c'est le moment, c'est le moment. Go 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 go. Hop. Ok, let's go. Voilà. On passe par ici. Alors monsieur Toto du 34, cette fois-ci moi je suis prêt. J'ai mon petit diamant en main pour se faire croire que j'ai pas d'épée. En fait, si j'ai une épée. Oh, mais il est. Voilà. Allez, hasta la vista. Hop là. Et ben voilà, ça c'est fait. Ça, c'est une bonne chose de faite, par exemple. Du coup, maintenant, on va aller farmer de l'émeraude parce qu'on a besoin d'émeraude pour se faire le petit stuf en diamant qui va. Wow, je l'espère nous aider considérablement. Je crois que ça coûtait 6, donc franchement on avance déjà bien. Toto du 34, bien sûr, je me doute bien qu'il n'en a pas fini avec moi. Il va se ramener très très prochainement. Mais c'est pas grave, on l'attend, on est prêt. Où es-tu, monsieur Toto du 34? Tu es juste là-bas. En effet, il est pas très loin. Je pense qu'il va aller casser mon lit. Bon, écoutez, si on arrive à le tuer entre-temps, disons, ça pourrait le faire, j'espère. Alors, ok, il est là-bas, il est au point, il va aller casser mon lit. Ouais, il va aller casser mon lit. Comment on va faire? On va pas faire parce que on est foutu au niveau du lit. Ça, c'est clair et net, notre lit, il est mort. Sauf si j'arrive à redresser la situation vraiment de ouf, comme ceci par exemple. Oh, wow, oui, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Oh putain, ça le fait. Il avait accès au lit. Il avait accès au lit, mais ça le fait, ça le fait. Oh là 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 là. Franchement, si là c'était pas magnifique ce qu'on vient de se faire, franchement, je sais pas ce qui est magnifique pour vous, mais
Vous êtes particulier alors, parce que là, franchement, c'était juste nickel. Franchement, on pouvait pas faire mieux niveau timing. Donc c'est bon, on va peut-être s'améliorer notre armure, comme ça on est, voilà, enchanté. Donc ça va être déjà un petit peu mieux. On va voir un petit peu ce que ça peut donner maintenant contre Monsieur Toto du 34, le redoutable Toto du 34. Hein. Alors, est-ce que tu es chez toi? Parce que si tu es chez toi, moi je suis bien tenté par le fait de niquer ton lit. Mais genre, totalement, ok. Il est pas très très content Toto du 34. Va falloir ruser. Donc ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on le tue maintenant. Donc là, il va arriver en accélérant. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette technique? C'est pas très très malin, monsieur Toto du 34. Je te savais déjà assez bête. Autant là, c'est encore pire. Bon bah je t'attends. Je récolte les diamants en attendant, tu m'en voudras pas. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre île, on va vite fait se mettre le sharpness. On va aller le tuer parce qu'il commence un petit peu à m'agacer ce Toto du 34. Si on peut casser son lit, ce serait nickel. Hop. Et oui, j'ai le sharpness, monsieur. Hop, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire, tout simplement. Est-ce qu'on a assez pour se faire une pomme d'or? Oui, c'est nickel. On va se faire ça également. Hop. Voilà. Toc. On se prend ça. Ok, bon, je pense qu'on peut se dire officiellement que Monsieur Toto du 34 est enfin éliminé. On s'est débarrassé de la menace qu'il constituait. On va aller quand même, bah, tout simplement attaquer son île. Je sais pas du tout où il est. J'espère qu'il est pas sur son île. Ok, il a déjà plus de lit en fait. Mais alors, il est où? Wow, c'est pas très rassurant ça. Ah, mais il est mort! D'accord. Alors, qui a cassé son lit? Je sais pas du tout. Mais il est mort. Bon, bah écoutez, on va pas s'en plaindre. Dommage, j'aurais bien aimé le tuer moi-même une dernière fois. Mais, écoutez, c'est bien. On n'a plus de Toto du 34 sur le dos. Écoutez, je vais pas m'en plaindre. Là, je suis loin de m'en plaindre. Du coup, on va aller récolter un petit peu tout ce qui est stuff ici. Ah, mais il y a de l'émeraude en bas aussi. Oh, mais ouais, d'accord. Ok. Nice tout ça. Bah du coup, je vous propose qu'on aille tout simplement sur notre île. On va juste aller prendre l'émeraude en bas aussi. Les grenouilles, elles sont en train de s'énerver là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais elles sont d'humeur aujourd'hui, hein, franchement. Elles sont d'humeur. C'est peut-être parce que c'est les vacances, je sais pas. En parlant de vacances, d'ailleurs, je pense que je vais m'acheter une caméra pour les vlogs. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un unboxing ou pas. J'ai jamais fait d'unboxing ou quoi. Je sais pas si c'est marrant ou pas. Mais peut-être faire un unboxing et un petit test de la caméra, ça pourrait être sympa. Donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire. Je tâcherai d'y répondre. Ensuite, hein, on verra du coup comment on organise ça. Mais ça peut être sympa éventuellement. Donnez-moi votre avis là-dessus et puis bah, je verrai ce que je ferai. Du coup, est-ce qu'on peut se mettre. Oh, ouais, on peut. Oui, ça c'est bien. On peut se faire donc protection 2. Ça c'est très très bien. Avec nos 10 émeraudes, on peut se prendre la belle épée en diamant. Hop, donc ça c'est très très bien. On va se prendre quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des trucs avec des émeraudes? Ender Pearl, ça coûte assez cher quand même. Il n'y a pas une petite pioche. Pioche c'est 12 gold. J'en ai 5. Ça va être complexe. Comment on va pouvoir s'organiser là-dessus? Je pense qu'on va économiser pour la pioche en diamant. Se prendre une Ender Pearl quand même, parce que ça peut vraiment servir. Ah, j'aurais dû prendre un arc. J'avais pas vu qu'il y en avait. Ouais, j'aurais dû prendre un arc. Bon, bah, on va aller rechercher des émeraudes, écoutez, c'est pas grave. Hein. Mais ouais, c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'aurais vraiment mieux fait de prendre un arc. Surtout que là, du coup, j'en ai pas. Ça m'aurait bien, bien servi un arc. Donc ouais, on va essayer d'aller en chercher un sans se faire tuer. Ce serait le top. Enfin, chercher l'arc. On va chercher de quoi le faire. Hop, ça a coûté 6, donc ça devrait aller. Hop, bonjour. Et c'est bon, on a l'arc. C'était rapide comme mission, hein. Autant vous dire qu'on n'en a pas. On n'en a pas trop chié sur cette mission. C'était plutôt sympathique. Et plutôt simple surtout, c'est l'essentiel. Du coup, ouais, on est tranquille. On va pouvoir se faire un arc. On notera d'ailleurs qu'on s'est toujours pas fait attaquer notre base, à part l'autre, la Toto du 34, qui s'était ramené là-dessus, sinon on n'en a pas vraiment eu d'attaque.
Donc c'est plutôt bien, je pense que les gens ne s'intéressent pas trop à notre île, donc ça franchement c'est nickel. Hop, du coup j'ai une hésitation. Est-ce qu'on se fait des flèches ou est-ce qu'on se fait notre pioche? Je pense que déjà on va améliorer ça. Hop. Donc comme ça va drop plus. Et on va aller voir sur l'île de Toto du 34 si, s'il n'y a pas ces ressources qui ont continué d'apparaître. Ça pourrait être intéressant. Oula, désolé, à chaque fois je fais des coupures. Si vous vous demandez pourquoi, c'est juste que je tousse, je sais pas pourquoi. J'ai la gorge un petit peu sèche. C'est pas bien grave. Hop, je suis à 20 gold. Ah oui, d'accord, bah c'est bon. On peut se faire notre fameuse pioche. Hop, on peut se faire. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? On peut se faire donc des flèches. Hop. Voilà, on se fait vraiment beaucoup de flèches, comme ça on sera bien armé. On va également se faire plus de fireball parce que ça m'a l'air intéressant. Et on va se faire 2-3 blocs. Comme ça, on est tranquille. Bah du coup, j'ai envie de vous dire let's go là-bas. On va voir ce que ça peut donner. Je pense que ouais voilà, on peut s'en sortir tranquille maintenant dans la game. Autant se le dire, on a moyen vraiment de bien gagner là. On est déjà plutôt bien avancé. Franchement, nous manquerait juste une protection peut-être en obsidienne pour le lit. Bah écoutez, on va se faire ça. Vous savez quoi? On va se faire ça. Comme ça, on est vraiment sûr d'être protégé à fond. Et puis on sera tranquille au niveau de ça. Hop, donc normalement il y a encore des émeraudes qui spawnent là. Sauf qu'il y a un joueur que nous allons nous empresser d'aller tuer. Et bonjour monsieur, tu es full cuir, c'est con. Hop, tu disparais. Donc il avait 7 émeraudes, ah bah c'est bien. C'est bon, notre protection n'est plus un rêve, mais une réalité, puisqu'on peut se la faire dès maintenant. Il m'a dit GG XX. Ok. Hop. Oui, c'est le GG, c'est le GG, c'est le GG, c'est le GG. Hop, hop. Go, go, go. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Hop. Franchement, on a bien réussi notre enderpearl. Comment on va faire? Comment on va s'organiser là-dessus? Hop. Non, j'ai pas eu le temps de la shot. Ah, il m'a fait peur, lui. Hein. Franchement, il m'a fait peur. J'avais pas du tout vu, je l'avais pas du tout vu venir. On va essayer de le destroy à ça. Oh le bâtard, il est malin. Il est malin. On va se faire de l'opsy. Vite, 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 vite. Hop, on va essayer de la remplacer. Je sais pas si on a le temps. Hop. Hop. Je sais pas du tout si on a le temps. Ok, on va essayer de le pousser dans le vide. Oui, ok. Let's go placer de l'obsidienne partout. Hop, on a vraiment pas le temps là. On a vraiment pas le temps. Je sais que j'ai raté une obsidienne, mais pour l'instant, faut déjà qu'on couvre le lit entier. Hop. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. On va prendre l'obsidienne qui est ici et on va la placer sur les coins. Ça me paraît plus logique. Faut vraiment qu'on se grouille. On n'a pas du tout le temps. Hop. Hop. Nickel. Et nickel. Il m'en reste une. Ah oui, là. J'arrive pas à casser. Merci. Voilà. Ensuite, on va protéger avec ce genre de bloc. Oh, il m'a fait vraiment peur. Hein. Il m'a vraiment fait peur, les gens. Je l'avais pas du tout anticipé. C'est horrible. Je l'avais pas du tout anticipé. Est-ce qu'on a moyen de se faire du bois? Oui, on a moyen de se faire du bois. Ça me paraît être une arme redoutable, le bois. Parce que c'est chiant à casser si on a une pioche. Donc on va en placer tout autour. Est-ce qu'on a moyen de se faire des shears, c'est-à-dire des cisailles, pour mieux casser dans les outils peut-être? Oui, ça y est. Hop. On va mieux casser la laine comme ça. Et on va placer du bois à la place. Comme ça, vraiment, on va protéger notre lit à fond. Parce que là, autant vous le dire, c'est la merde. J'avais pas du tout capté qu'il y aurait quelqu'un qui se ramènerait aussi vite que ça. Faut vraiment qu'on protège de toute vitesse. Ça m'a vraiment fait peur, les gens. Tant pis si la vidéo dure longtemps. Écoutez, c'est tant mieux pour vous, hein, autant vous le dire. Hein. Ça vous fait de la vidéo en plus. Je pense qu'elle va durer bien longtemps là. Parce qu'en fait, j'avais pas calculé, mais une partie de Bedwars, c'est quand même vachement long. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est sympathique, on est ensemble, comme ça, on est posé. Quoi de plus? J'ai envie de vous dire. Hop. Voilà, on va bien refermer tout ça. Franchement, là, si on arrive direct à nous casser notre truc, c'est qu'il faut être quand même
un poil OP parce que là, autant vous dire que c'est plutôt très bien défendu. Donc on va bien tout refermer avec de la laine, vraiment. On s'en tape si ça nous coûte 30 000 de laine ou je ne sais quoi. On va vraiment tout refermer. Comme ça, ce sera tranquille. Hop, et plus qu'ici à refermer. Hop. Voilà, on va refermer ça. Toc. Toc. Voilà. Et voilà. Comme ça, on est protégé. Là, clairement, on ne peut pas dire qu'on n'est pas protégé. On va améliorer l'armure. On va mettre le hit trap. Comme ça, s'ils veulent se ramener, en fait, ce qui va se passer, c'est que si quelqu'un d'autre que nous, donc un joueur adverse, se trouve sur l'île à genre 3 ou 5 blocs, je sais plus combien, de notre lit, bah, tout simplement, il va avoir de la slowness. Enfin, pas de la slowness, mais genre, il va miner beaucoup plus lentement. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, il va encore moins facilement pouvoir capturer notre lit. Enfin, capturer, vous m'avez compris. Du coup, ça c'est très bien. On est protection 4. Est-ce qu'on peut se mettre protection 5? Non. Donc on est au max. On commence à se mettre bien, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dommage d'avoir utilisé notre Ender Pearl comme ça, mais bon, je pense qu'on a bien fait de l'utiliser de cette manière. Vraiment, je ne regrette pas tout ça. Des icefish, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout. Ça ressemble à quoi? What is this? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ça sert à quoi? On va dire que ça sert peut-être à quelque chose, ça a peut-être une utilité, je sais pas. Enfin bref, du coup, on va attendre. Bah non, on va pas attendre en fait. On va direct y aller. On va essayer d'aller tuer un petit peu les gens. Je pense qu'on a moyen de le faire maintenant. On est plutôt bien stuff. Notre lit, il est plutôt tranquille, je pense. Donc franchement, on n'a pas trop de trucs comment dire, à redouter. On n'a pas vraiment de menaces potentielles. Donc écoutez, let's go casser des lits. Il y a quoi? Il y a blue, enfin bleu, jaune et rose à casser encore. Bien sûr, je ne compte pas dedans parce que tout simplement, nous, on va pas casser notre propre lit. Ce serait un petit peu débile, j'ai envie de vous dire. Oh ouais, d'accord. Donc le gars, le jaune, il a pas exagéré sa protection. Bon, vous me direz nous non plus, donc c'est incompréhensible, monsieur le jaune. On va aller voir ce que ça peut donner. Même si je vous avoue que ça risque d'être assez con. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. J'ai cru vraiment qu'il y avait quelqu'un. On va vite y aller discret. Ok. Let's go. Il nous a pas vu. Yes. Salut. Hop. Hop, t'as plus de lit. Même s'il nous tue, il a plus de lit, donc c'est bien. Hop là, ça dégage. Salut. Bon voyage, c'est bon. On avance, on avance. On va se faire donc ça. Hop. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre maintenant? Il y a peut-être d'autres trucs intéressants à se faire. Je sais pas vraiment. En tout cas, on est en train de faire une vachement bonne game. On a des Ender Pearls, on a du diamant. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire avec du diamant? Heal pool, ouais, non, c'est pas très intéressant. Ok, ça peut être bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Obsidian, non. Wood planks, non. Il y avait un truc que je voulais me faire tout à l'heure, mais j'ai tellement zappé ce que c'est maintenant. C'est pas très malin de ma part. On va se faire des golden apples, peut-être. Ouais, ça me paraît être la meilleure des choses. Du coup, c'est parti, let's go. Où est-ce qu'il y a des équipes? Il nous reste les blues à tuer. Je crois que les blues, c'est ceux qui sont là-bas. Non, ça, c'est les aquas. Non, ça doit être les aquas. Ouais. Les blues, ils sont là-bas. Je vois. Ok. Bon, faut qu'on prenne un petit peu d'air. Oh, c'est qui lui? Ah, bah, c'est le blue, tiens. Justement. Oh, il est pas très bien, stuff, le blue. Hop, allez, dégage. Salut. Comment il est venu ici, le blue? Parce que je me doute bien qu'il a eu un chemin à lui, mais. Comment elle a fait pour passer? Je comprends pas du tout. Genre, le gars, il doit avoir un de ces systèmes super élaborés pour passer. Ou un truc dans le genre. Ça se trouve pas du tout, je sais pas. Bref, on va essayer d'aller se le tuer. Il est là-bas. On va essayer d'y aller à l'Ender Pearl, vous savez quoi. En plus, je crois que les Ender Pearl font pas de dégâts, je suis pas sûr, mais. Allez, let's go.
pendant qu'il ne nous voit pas. Ouais, les Underpearls font pas de dégâts. Nice. Là, il nous voit pas, je pense. Donc, bah écoutez. Hop. Et voilà, t'as plus de lit. Salut. Hop. Et ben voilà, ça c'est fait. Qui nous reste? Il nous reste les roses et puis on aura GG. Donc du coup, où sont ces fameux roses? Hop. Est-ce qu'on peut utiliser la compasse? Ça m'étonnerait que ça m'aide de viser là-bas. Je crois que votre compasse, elle sert un petit peu à rien, les amis. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle sert à grand-chose, les pixels. Là c'est les jaunes. Là c'est les quoi? Je vois pas. Ça doit être. Ouais, c'est les jaunes ici. Les aqua. On va essayer de passer là. On va se faire un pont tranquille. Hop. Où est-ce qu'ils peuvent être ces fameux roses? Il nous reste une Ender Pearl, hein, donc on peut facilement les tuer. Puisqu'on aura juste à se taper là-bas. En plus, on a 4 Fireball. Donc il y a moyen de faire une attaque à la Fireball. Je crois que c'est eux. Ouais, c'est eux. Non? Non. Il y a de la laine rose. Donc ils sont peut-être dans le coin. C'est ce que ça me laisse envie de dire. Ils sont là-bas. Yes. C'est bon. On les a trouvés, ces fameux roses. Ils étaient bien cachés, hein, en fait, quand on y repense. Du coup, on va se faire un petit voyage tranquillou. Hop. Rien de trop risqué. Donc, ils sont juste là-bas. Je pense que c'est le genre d'île qui a fait, genre, une sorte de bunker énorme. Non, même pas. C'est pas eux les roses, c'est eux les roses, voilà. Qu'est-ce que je foutais moi là-bas? Hop, les petits dégâts de chute, pas bien important donc ça va. On va. Bah non, on va passer par là du coup, techniquement, ça me paraît plus logique. On va aller faire coucou aux roses. Est-ce que c'est un bunker son lit? Ah, quand même, un petit peu. Ok, il est déjà préparé. Attention, ça, t'étais pas prêt. T'étais clairement pas prêt. Hop. Voilà, on arrive. Comment on lui a tout rejeté sur la gueule? C'était épique. Alors comment je vais faire pour casser ça? Oh non, il a mis du bois, j'aime pas du tout. Toi, je t'aime pas là. What? Le gars, je tape, il disparaît. Hop, merci. Let's go. Ah, he left. Ah bon? Ah, je sais pas, mais en tout cas. Ah non, il a pas left. Hop, salut! Et voilà les gens. On a réussi à gagner cette game au bout de 85h,5. Voilà, c'était pas du tout trop long. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude vous aura plu, les gens. Moi, je me serais bien amusé. Et puis écoutez, n'hésitez pas à mettre un tout petit pouce bleu, ça me fait bien plaisir. À partager la vidéo sur Twitter, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Moi, ça me fait extrêmement plaisir et c'est ce qui aide probablement le plus la chaîne à avancer. Également, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que bah, c'est sympa quoi. Et puis, bah, du coup, moi je vous dis portez-vous bien, les gens. Passez une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne soirée, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis ciao ciao!